Ah, yo les petits potes, vous êtes là, ça va les potos? Ça va les potes. Vous faites quoi de beau aujourd'hui les potes? Moi ce que je suis en train de faire actuellement les potes, je vais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu les tenues que j'aime bien porter. Je vais vous montrer vraiment tous mes tenues, sauf que je vais vous montrer les tenues que j'aime bien porter, les tenues que j'aime un peu moins porter. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je les porte, pourquoi j'aime plus porter ces tenues-là que d'autres. Voilà, je vais vraiment tout vous montrer. Je vais aussi voilà, vous montrer un petit peu ma décoration que voilà, je me suis fait. Je vais aussi vous montrer un petit peu ma chambre. Enfin, ça va faire quand même depuis 9, ça va bientôt faire 9 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Hein, et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner, à m'envoyer de la motivation, à aimer mes vidéos. Ça fait que bah, je vais vous faire une petite visite des lieux parce qu'en soi, je n'ai jamais fait vraiment une petite visite des lieux. Or voilà, elle est pas très grande ma chambre, mais vous allez voir que voilà, j'ai de quoi m'amuser quoi, et que je me fais jamais chier, que j'ai vraiment une chambre d'adolescent, tout simplement. Et puis bah, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez en apprendre plein sur moi. Bon, déjà, nous allons tout de suite commencer avec les tenues que j'aime bien. On va commencer tout de suite avec ça. Déjà, le premier truc que je pourrais vous montrer, c'est un short. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, actuellement je suis en train de porter un short avec un petit débardeur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les potes, regardez, je vous tourne juste la caméra. Regardez comment il fait super beau dehors. J'ai bougé ma grosse tête. Regardez comment il fait super beau dehors. Il y a juste un petit vent qui est un peu chiant, mais il y a un petit rayon de soleil qui est agréable, qui fait vraiment du bien. Or, oui, je me suis en short en débardeur. Hein, voilà. Or, comme je voulais vous montrer, un petit short pour le foot, pour le handball, pour la boxe, pour la muscu. C'est vraiment super bien. Matière tissu. Très fin, très léger. Pour l'été, il n'y a rien de mieux. Franchement, c'est super bien. La marque, attends, je vais vous dire tout de suite la marque, c'est quoi? C'est Diadora. Une marque forcément de sport, mais que je connais pas. Hop, un petit short stylé. Franchement, le short là, j'aime bien pour le mettre quoi? Pour faire de la muscu, pour faire du foot, parce que il est à la fois léger, et surtout, ici, quand on court, et comme voilà, je sais pas si vous le savez ou pas, mais je suis quelqu'un qui adore le foot, qui sait faire du foot, que ce soit du foot freestyle ou du foot normal dans les matchs et tout. Et surtout, ce que j'adore, moi, là, c'est sprinter, faire des petits gestes techniques. Ça fait que, voilà, bah, pour faire ça, faut être à l'aise dans son short. Et lui, regardez, comme vous pouvez voir, il est élastique. Ça fait qu'on est super à l'aise dedans. Et c'est vraiment super bien. Alors, un petit short comme ça, vous voyez, il est vraiment top. C'est super cool. Hop, cette fois, on va passer à un survêt sport. Il est marqué juste ici, sport, comme ça. Matière un petit peu, voilà, matière un petit peu plus chaud, un petit peu, ce jogging là, c'est une matière un peu plus chaude que le short, mais c'est quand même du tissu, il y a du tissu là, il y en a à l'intérieur, hop, comme je vous ai dit les petits potes, la marque c'est sport, un beau petit survêt et tout, avec ce qui est bien, c'est là des fermetures, juste ici là, il y a une fermeture, en gros, voilà, ceux qui préfèrent les joggings comme ça, bah, vous pouvez l'ouvrir comme ça, ou même ceux qui sont trop chauds, voilà, bah, comme ça, vous pouvez le refermer aussi comme vous voulez, il est vraiment super stylé, voilà. Il est élastique, c'est ça qui est cool. Et c'est un super beau survêt, on est vraiment bien dedans. Et c'est super cool. Alors cette fois là, on va passer à un petit short en jean. Petit short en jean. Vous m'avez. Je crois pas que vous m'avez déjà vu avec ce short en jean là et tout. Sauf que oui, j'ai déjà mis, voilà, quand l'année dernière j'ai été en vacances au mois d'août à Morbec, là, et je vous avais même fait une vidéo quelques jours avant pour vous dire que voilà, bah, j'allais partir en vacances et tout. Et bah, durant les vacances, voilà, j'ai fait une boum. Et en fait, ben, le jour de la boum, voilà, comme j'étais avec ma copine qui s'appelle Léa, voilà, avec qui ça a fait 7 mois, depuis le 10 mars, ça a fait 7 mois. Voilà. Oh bébé, si tu passes par là, bah, je t'aime. Et grosse dédicace à toi, et je pense toujours à toi, je pense fort à toi, voilà. Et ben en fait, comme je voulais être bien habillé, j'avais mis ce short en jean là, avec une belle petite ceinture et un beau petit maillot à col et tout. J'étais vraiment un super BG, voilà. J'avais laissé tomber les tenues de sport pour mettre un petit short en jean. Enfin bref, il est comme ça, voilà, comme ça. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. La marque, c'est ça. C'est ça la marque, comme ça. Voilà, il est stylé, il y a un petit truc comme ça marron derrière. Franchement, il est super beau. Et ça, je l'ai eu à un ami, voilà, parce qu'il l'a acheté. En fait, au magasin, il le trouvait super stylé. Quand il l'a acheté, ben voilà, il l'aimait pas, alors ça fait qu'il me l'a refilé. Voilà, là, on va passer à un autre survêt que vous m'avez déjà vu avec, que ce soit dans mes TikTok ou dans mes vidéos YouTube. Ben, vous m'avez déjà vu avec, c'est celui-là, que j'ai acheté à Zeman. Original Supply Echo. Du M encore une fois, comme ça, il est comme ça, voilà, il est élastique. Ce que j'aime bien, c'est que là, voilà, il y a des cordons, là. Là, ce qui est bien, c'est que, voilà, là, c'est un grand truc comme ça, élastique aussi, on est vraiment bien dedans. Une matière assez chaude, pas trop chaude, pas trop froid, ça va, on est vraiment bien dedans, c'est ça qui est cool. Une petite poche derrière, rien à redire, la petite couleur, elle est sublime, elle est trop belle. Voilà,
tout simplement. Encore un autre sortant de gym que ça, j'ai eu aussi un copain, mais que quand j'étais dans mon ancienne école en Belgique, voilà. Celui-là, il est vraiment trop beau, et celui-là, je l'ai déjà mis plusieurs fois, voilà, celui-là, ce short-là, je l'ai déjà mis des centaines et des centaines et des centaines de fois l'année dernière. Et cet été, je vais le remettre aussi parce qu'il me va encore et tout, et il est super bien. Voilà, il est comme ça. C'est ça la marque, hein, c'est ça la marque pour ceux, voilà, qui se demandent. Voilà. Il y a quelques petits trous, voilà, mais vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Ah, et moi, ce que j'aime bien dans ce jean-là, c'est qu'en fait, voilà, là, il est super bleu tout le tour, il est super bleu. Et là, en plein milieu, il y a en fait une tache blanche, comme si, qu'en fait, il était délavé. Mais en fait, non, bien sûr, non, il est lavé. Vous inquiétez pas, ils sont super bons. Sentez-moi ça, les petits potes. Voilà, sentez, ils sont bons, hein, bah voilà, c'est parce qu'il a été lavé, voilà. Il a été lavé. Mais comme je vous disais, voilà, le côté un peu délavé, voilà, avec le côté un peu délavé, avec les petits traits comme ça, les petits trous, ça fait vraiment un petit style. Les petits plis, voilà, qui sont là, bien sûr, c'est fait exprès, c'est pas moi qui les a rajoutés. Mais les petits plis qui sont là, ils sont vraiment stylés, voilà. Et avec une petite ceinture, avec un beau petit maillot et tout, ça passe crème. Bien sûr, on n'allait pas mettre ça avec un débardeur, on n'allait pas mettre ça avec une veste de survêtement ou quoi. Essayez de mettre un beau petit truc comme ça, avec des petites tongs. Ou des petites sandalettes avec une belle petite chemise, que ce soit à col, à longue manche ou à courte manche, avec un beau petit maillot à col et tout, ça va passer crème. Vous serez les plus beaux. Voilà, comme ça. Je vous remontre comme ça, hein, voilà. Alors maintenant, nous allons passer à un survêt. Hop, un petit survêt. Vous m'avez déjà vu plein de fois avec. J'ai déjà mis, que ce soit sur mes TikTok, sur mes vidéos, je l'ai déjà mis beaucoup de fois. C'est ce survêt-là, voilà. Que j'ai acheté aussi à Zeman, encore du M. Voilà, les petits potes, encore du M. Comme ça, il est élastique. Il y a des cordons juste ici. Là, c'est élastique aussi. Voilà, là, c'est élastique aussi. C'est une matière, voilà, qui tient assez chaud quand on est en hiver. C'est ça qui est cool. Il est vraiment trop beau. Il sent bon, il n'y a aucune tache. Franchement, en même temps, il sent bon, c'est normal, il a été lavé. Hein. Voilà, mais sinon, il est super stylé. Franchement, il est beau, il est super bien. Voilà. Donnez des petits pas, dites-moi vous dans les commentaires c'est quoi vos tenues vestimentaires préférées. Est-ce que vous êtes plutôt team survêtement, jean, chemise, ou plutôt, je sais pas moi, short, voilà, short, maillot, ben tranquille, ou débardeur, basket, ou des trucs comme ça, dites-moi dans les commentaires. Voilà, dites-moi si dans les commentaires, ben, quel genre d'habits vous préférez, je sais pas moi, les habits de marque, les habits qui coûtent assez cher mais que c'est pas de la marque, les habits classiques, voilà. Dites-moi c'est quoi, voilà, vos habits préférés, tout simplement. Voilà. Et oui, et regardez le nouveau bracelet que y a une. Il y a une pote que je connais qui m'a fait. Regardez. Ah, il est énorme. Hein. Lui, on peut le dire, il est énorme et sec. Il est énorme et sec. Il est comme mon biceps. Il est énorme et sec. Voilà. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mon bracelet. Hop, encore un petit short en jean que j'ai encore une fois pas mis. Voilà, que vous m'avez pas encore vu avec. Et celui-là, voilà. Ben, lui, je l'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis. Pourtant il me va, mais voilà, je l'ai jamais mis. Il est un peu plus court que l'autre, voilà, il est un peu plus court que l'autre, vous inquiétez pas, c'est pas un short de femme, hein. Je tiens à vous le dire, c'est pas un short de femme, vous inquiétez pas. Voilà. Ça aussi, je l'ai eu au même pote qui a acheté bah, le short, le. Qui a acheté le voilà le short, le premier que je vous ai montré, là, le short en jean, le premier que je vous ai montré, celui-là. Et ben en fait, ces deux shorts-là, c'est lui qui me les a donnés aussi. Voilà. Franchement, voilà, il les a achetés dans le même magasin. Et en fait, il trouvait que les shorts qu'il a achetés. Voilà, il trouvait qu'ils étaient stylés et tout, et au final il met pas, ça fait qu'il me les a donnés. Alors comme je vous ai dit, bah, voilà, comme je vous ai dit les petits potes, bah, comme il est comme ça, voilà. La marque c'est One. Voilà, la marque c'est One. Hop, comme ça. Il est comme ça. Par contre, il n'est pas élastique, mais voilà. Vous savez, c'est taille 42. Voilà, faut vraiment être bien large pour. Voilà. Mais moi, quand je le mets, si je mets pas de ceinture, je le perds. Parce que en soi, voilà, je suis pas gros. Voilà, j'ai les 4 plaques de chocolat. Il y a juste un petit peu au niveau d'ici que je devrais un petit peu perdre. Donc en gros, faire une sèche ou quoi. Okay, sinon, voilà, j'ai des abdos, je suis assez mince. Voilà. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi mon poids et ma taille, je fais 1m77 pour 77 kilos. Tout simplement. Voilà. Alors comme je vous disais, hein, comme ça, et ce que j'aime bien, voilà, c'est les petits traits, voilà, comme je vous montrais, comme ça, fait vraiment un petit style, c'est vraiment super stylé, il y en a là aussi, c'est vraiment super stylé, j'aime trop, voilà. Alors maintenant, on va passer un peu au maillot, le premier maillot, comme je vous disais, regardez ça, un beau petit maillot, on se croirait à Hawaï, on se croirait à Hawaï, franchement, ce maillot-là, il me va encore bien, j'ai déjà mis dans certaines de mes vidéos, je l'ai déjà mis, il me va super bien, comme je vous disais, les petits potes, un beau petit maillot comme ça, avec un petit col comme ça, avec un super body. Beau short en jean, soit celui-là, ou soit celui-là,
Vous allez être les plus beaux, vous allez être vraiment les plus beaux. Allez, comme ça, je peux vous dire que si, habillé comme ça, avec un peu de parfum Scorpion ou Axe ou un peu de déo Adidas ou Coquette, tout bien coiffé, les dents bien brossées et tout, voilà, et que vous avez vraiment une bonne hygiène de vie, si on me dit que vous n'arrivez pas à pécho de la meuf, c'est que franchement, vous êtes coincé, hein, parce que, voilà, parce que même moi qui ai une sale gueule, j'ai su pécho une meuf. J'ai réussi à pécho une meuf, alors vous qui regardez cette vidéo, qui êtes beau gosse et qui dit, arrêtez pas de dire que vous jamais vous trouverez l'amour, allez vers les filles, voilà. Et au pire, ce que vous risquez, au pire, ce que, voilà, elle va soit elle va dire oui, soit elle va vous dire non, au pire, ce que vous risquez, c'est un non ou une baffe dans votre tête, voilà, tout simplement. Mais un non ou une baffe, ça fait jamais de mal, et voilà. On va passer à un deuxième maillot, en fait, c'est le même, mais de notre couleur, voilà, comme ça. Je crois que c'est une taille au-dessus. Ouais, si c'est une taille au-dessus, comme ça, voilà. C'est le même, sauf que c'est d'une autre couleur. Je vous jure, avec ce maillot-là, je me croirais à Hawaï, en fait. À Hawaï 5-0, pour ceux qui connaissent la série. Voilà. Comme ça, il est stylé, comme ça, voilà. Avec le petit col et tout, comme ça passe super crème. Un maillot de rugby aussi, j'ai. Un maillot de manche rugby, comme ça, pour les entraînements. Parce que j'ai jamais fait de rugby, sauf que ben par un moment, je sais pas, j'adorais le rugby, j'arrêtais pas d'en faire avec des potes, on trouvait un terrain, ouais, on trouvait un terrain, on prenait soit un ballon de foot, soit un vrai ballon de rugby, et on y allait, quoi, voilà. Et en fait, ben depuis que je suis dans mon école là, donc à Armentières, voilà, et ben il y a un éducateur en fait là-bas qui m'a vu. En fait, le premier jour qu'il m'a vu, en fait, il m'a trouvé assez grand. En fait, il m'a trouvé grand et super musclé. En fait, j'ai dit que j'avais le gabarit d'un mec qui pouvait faire du rugby. Ça fait, en fait, j'ai essayé de te renseigner et tout, voilà. Et normalement, je devais le faire, sauf qu'avec le Covid, ben, j'ai jamais pu y aller, tout simplement. Ça fait qu'en fait, ben, voilà, il m'a quand même passé ce maillot et tout simplement, je le garde. Voilà, tout simplement, si c'est pas que je veux pas le mettre. Voilà, c'est pas que je veux pas le mettre parce qu'il est vraiment trop bien. Sauf que je le mets vraiment quand j'ai pas des, soit je mange chez des potes, soit je fais du foot avec des potes et qu'il pleut et que voilà, je prends des vieux habits. Ben, je prends ça quand je dois faire, je sais pas moi, du rugby avec mes potes. Ben, je prends ça quand je dois faire de la muscu et qu'il fait froid. Ben, je prends ça quand je dois courir ou coquette. Voilà, je prends ça. Ça, c'est vraiment le truc qui me sert bien pour le sport parce que voilà, il est incraquable. Voilà, il est vraiment incraquable. C'est vraiment un gros tissu. Voilà, c'est vraiment un gros tissu. Regardez, je peux tirer devant vous, regardez. Regardez comment mon biceps ressort tellement que je suis en train de mettre quasi toute ma force, il craque pas, vous voyez. Voilà, c'est vraiment. En même temps, vous me direz, c'est quand même pour le rugby. En gros, si on, voilà, on a un maillot et que, ben, il craque au bout de 2 minutes parce que voilà, il est trop fin, ça sert à rien. On voit vraiment que c'est bien du tissu de rugbyman, ça. Voilà. Encore un autre jogging que je vous ai montré il y a pas longtemps. C'est mon survêt de Kappa. Je vais vous le dire tout de suite. Celui-là, lui. Ce survêt-là, si jamais je vois, comme je vous ai montré, j'ai le pull avec. Hein. Comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai le pull avec. Voilà. Ça fait que ce jogging-là et le pull, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble. Et ben en fait, cet ensemble-là, donc le survêt-là et le pull qui est en bas dans ma qui est en bas dans mon dans ma salle de bain en train de sécher, voilà. Et ben c'est ma tenue préférée, simplement. Voilà. Il y a des cordons là, il y a des cordons là, il y a à la fois élastique là, il y a à la fois élastique là, et surtout ce qui est bien, qu'on dirait pas comme ça, mais il est slim, il coûte vraiment pas trop cher, il coûte pas trop cher. T'en as pour toutes les tailles, la marque, si jamais pour ceux qui savent pas, c'est Kappa, et voilà, il est marqué aussi là, Kappa. Vraiment, il est vraiment trop bien ce survêt. Ah, il a été lavé aujourd'hui. Ah, il sent super bon. Ah, il sent tellement bon, je vous jure, les petits potes, il sent tellement bon. C'est incroyable. Voilà ça, alors encore après, encore un autre petit short. Lui, il a pris un peu plus cher, lui, voilà, il a pris un peu plus cher, mais c'est quand même, c'est pas grave, il est quand même beau. Si jamais ce short-là, je l'ai aussi, 1, 2, 3, je l'ai aussi acheté à Zeman. Voilà, je l'ai aussi acheté à Zeman, hein, voilà. De toute façon, quasi tous les habits que vous allez voir là, soit je l'ai eu à des potes, soit je les ai achetés à Zeman. Encore un sort que j'ai acheté à Zeman, du M. Normalement, il y avait des cordons là, sauf que bah, je les ai enlevés pour faire je ne sais plus quoi. Je les ai plus jamais retrouvés. Voilà, les poches, ils sont comme ça, sauf que bah, ils commencent à pas à craquer de tous les côtés. Voilà, et si vous vous demandez pourquoi ils craquaient autant comme ça, c'est parce que, comme je vous ai dit l'année dernière, j'étais parti en vacances. Voilà, là où j'ai rencontré mon ex et où j'ai rencontré ma copine et avec laquelle je suis actuellement et avec lequel je suis le mec le plus heureux. Voilà. Et bah en fait. On était ensemble et tout, on est, 1, 2, 3, on était en train de faire une activité, donc moi, ma copine et mon groupe, voilà, on était en train de faire une activité, et en fait, ben, mon short, il s'est accroché à un filet, j'ai voulu, en fait, voilà, j'ai voulu tirer parce qu'on était chronométré, en fait, j'ai entendu un crack et il a craqué, quoi, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça, voilà, c'est aussi simple que ça, voilà, sinon, il est comme ça, gris,
stylé. Il sent mais tellement bon, je vous promets les petits potes, sentez-moi cette odeur, sentez-moi, bah, allez-y, sentez-moi ça, allez-y. N'ayez pas peur d'en tirer les propres. Hein. Franchement, ils sont vraiment super bons. Franchement, malgré qu'il y a un peu craqué, ils sont super bons. C'est agréable. Hop, encore. Ça, cette fois, ça va être un pull. Le pull que je vais vous montrer, oui, vous l'avez reconnu, c'est le Puma. Voilà, c'est le Puma. Hein. Il est stylé. Il est vraiment stylé. Voilà, et après, ben, celui-là, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai. Hein. Alors voilà, ici, il y a un petit trou là, voilà, et tout. Il commence un peu à devenir trop petit. Bah, au niveau des manches, ça va, mais c'est un peu au niveau de la taille. En fait, voilà, quand je le mets, il m'arrive juste là. En fait, voilà, quand je le mets, il m'arrive juste ici. Voilà. Alors, ben, dans plus très longtemps, je devrais soit le donner à mon père, soit. Ben, je devrais soit le donner à mon petit frère, ou soit, ben, simplement, je devrais le donner à quelqu'un que je connais. Voilà. Tout simplement parce qu'il devient vraiment de plus en plus petit. Voilà, sinon, il est comme ça, hein, Puma. Assez stylé, noir, avec le logo bleu. Voilà. La petite pull bleue, la petite capuche bleue et noire comme ça, hop, c'est parfait. Hop, les manches comme ça, le derrière comme ça. Ce qui est bien, c'est que là, il y a vraiment une très grande poche. Regardez, vous êtes prêts? Trop d'un tour de magie et blah, vous avez vu. Sérieusement, vous avez, voilà, une poche comme ça, c'est vraiment parfait, c'est vraiment super bien. Hop. Maintenant, je vais vous montrer encore un pull. Vous m'avez jamais vu avec, c'est normal. Là, ça, c'est un pull que je mets souvent quand je mets des jeans ou voilà, ou quand j'essaie de vraiment bien m'habiller. Bah, je mets ce pull-là comme ça, il est comme ça, un peu coton en fait, vous voyez. Une matière un peu coton, ça fait que ne jamais mettre des pulls comme ça en été, d'accord? Parce que déjà une en été, ça va vous gratter. Et de deux, vous allez tellement transpirer, vous allez tellement transpirer que tous les 5 minutes, vous devrez vous laver. Je vous promets, une fois, on était en plein été, parce que moi, voilà, je savais pas le matin, je me lève, il caille un petit peu et tout, voilà, je dis, bon, on va mettre un pull, j'avais mis un beau jean. En fait, en plein après-midi, il devait faire quoi? Du 28, 29 degrés, je vais dehors. Pas penser, moi j'enlève pas mon pull. Ah bah je vous promets, j'ai fait du foot. Ah bah je suis revenu chez moi. Ah j'ai plongé dans l'eau, j'ai plongé dans mon bain froid. Je vous promets, j'avais tellement chaud parce que comme un con, j'avais en fait oublié d'enlever mon pull en fait. Et comme je vous ai dit, c'est une matière en fait coton qui tient vraiment super chaud. Et voilà. Et bon voilà, il est beau, il est comme ça. Hein. Je le mets pas tout le temps, mais ça m'arrive de le mettre. Il est assez stylé, il est assez beau. Moi je l'aime bien. Voilà comme ça. Hein. Encore un autre pull que je sais pas si vous m'avez déjà vu avec ou pas, franchement celui-là je ne sais plus, il est comme ça. Il est vraiment assez stylé, lui aussi ça passe vraiment super crème avec un jean, avec un petit short en jean. Voilà, ça passe vraiment super crème. Vraiment ça avec un beau petit maillot à colle et avec un beau petit jean slim, avec une belle paire de chaussures, bien coiffé, les dents bien brossées, voilà. Parfum et tout, parfum, déo et tout, vous allez pécho de la meuf, moi je vous le dis. Voilà. Donc il est comme ça, il est élastique et surtout ce qui est bien c'est qu'il est assez moulant. Parce que depuis que je fais de la muscu, j'adore tout ce qui est débardeur, tout ce qui est vêtements moulants, voilà, pour qu'on voit un petit peu bah, que je travaille, quoi. Pour pas qu'on voit. Voilà, parce que quand on fait quelque chose et qu'on. Quand on fait quelque chose, on aime bien que voilà les gens le voient pour qu'on soit complimenté. Bah moi c'est exactement pareil. De toute façon, je crois qu'on est tous pareils, hein, que ce soit en muscu, en foot, même au travail ou quoi. On est tous pareils. Alors là, je vais aussi vous montrer un autre pull que celui-là sur ma chaîne, j'ai déjà dû le mettre plusieurs fois. En tout cas, que j'aime bien la marque. Si vous connaissez pas, c'est Jules. Jules. Non, pas Jules. Hein. Jules. Voilà, c'est du M aussi. Un beau petit pull comme ça. Voilà. On peut aussi. Moi, je mets ce pull-là sur. Je mets ça souvent avec un jean et quelquefois avec un survêt. Ça passe beaucoup plus avec un jean. Franchement, vous mettez ce pull-là avec un beau petit short en jean ou avec un beau petit jean slim noir. Avec une belle paire de chaussures Adidas ou une paire de Air Force One. Bien coiffé, les dents bien brossées. Tout propre et tout. Vous sortez dans la rue, toutes les meufs sont à vos pieds. Je vous promets, toutes les meufs sont à vos pieds. Voilà. Après, faut être beau gosse aussi, hein. Voilà. Faut être beau gosse et musclé. Moi, je suis musclé, mais je suis pas beau gosse. On peut pas tout avoir dans la vie. Non mais sérieusement, voilà, comme ça, il est comme ça, comme ça. Je pense que en fait, un truc que j'ai pas vu, je l'ai mis à laver il y a pas longtemps. En fait, bah non. En fait, bah, il y a juste une petite tache là, une genre de tache avec des morceaux de papier, je sais pas quoi. Hop, comme ça, regardez. Hop, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et voilà. Et vu, ni vu ni connu. C'est magique, hein. Alors il y a ce pull-là, il y a aussi ce maillot-là, Pro Touche. C'est aussi une marque de sport, un maillot. C'est aussi, voilà, un maillot de sport. Ce qui est bien, voilà, c'est que. Dans le maillot, il y a des petits trous, voilà, où on les voit pas, mais c'est une matière tissu avec des petits trous. Ça fait qu'en fait, quand on transpire, bah, en fait, la sueur, elle passe, bah, à travers le maillot. Et oui, certes, votre maillot, il sent la sueur, mais c'est vite que, voilà, il colle sur vous, que, voilà, bah, vous avez super chaud, voilà.
retouches, comme je dis, comme ça, noir et blanc. Voilà. La musique, c'est en noir et rouge. Voilà, la musique, c'est en rouge et noir, pardon. Et là, c'est en noir et blanc. Oh là là. Comme dans l'ancien temps. Il y avait les programmes télé en noir et blanc. Bah, maintenant, il y a des maillots en noir et blanc. Elle était éclatée au sol, cette blague, mais je devais la faire. Tout simplement. Hop, après un maillot Star Wars, que la force soit avec nous, les petits potes. Hein, voilà. Je me souviens, ce maillot-là, je l'avais mis pour une de mes vidéos, entraînement triceps. Elle date d'il y a un petit moment maintenant, elle doit dater d'il y a quoi, il y a 3-4 mois, voire même 5 mois si je me trompe pas, j'avais mis ce maillot-là pour un entraînement tri-tri. Voilà les petits potes. Et je me souviens même, je vous avais dit que la force soit avec nous. Et bah oui, que la force soit avec nous, parce que nous sommes un des guerriers 7. Voilà, Star Wars avec le petit vaisseau, ça fait toujours plaisir. En plus, il est marqué là, hein, Star Wars, voilà. Parce que oui, j'ai beau avoir 14 ans et demi, j'aime aussi bien, voilà, j'aime bien avoir des trucs un peu Star Wars, marrer. J'aime bien avoir des trucs Star Wars, des trucs, je sais pas moi, des genres de dessins animés, mais de mon âge, genre comme des habits Dragon Ball Z, One Piece, Star Wars, tous les trucs comme ça, bah j'aime assez bien. Après, faut moi non plus que ça fasse soit gamin ou que ce soit oui-oui ou quoi. Un jour, tu m'offres un maillot, oui-oui, je serai content parce que tu me l'as offert, c'est un cadeau. Mais crois-moi, je le mets pas, il est bien dans le fond de ma garde-robe et il bouge pas, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, hein. Voilà, un petit maillot super stylé. Bratata. Un short avec avec des petites plumes. Hein, que j'ai déjà mis sur ma chaîne beaucoup de fois, je l'ai même une fois mis avec un débardeur pour un entraînement bibi. Là. Ah, bah j'avais des cordons, sauf que à la machine ils sont enlevés, ils se sont enlevés. Alors bah il est comme ça, voilà, il est comme ça, avec une petite poche derrière, des petites poches là. Et surtout moi ce que j'aime bien c'est le bleu comme ça, c'est un genre de bleu foncé avec les petites plumes bleu clair comme ça, bleu clair ou bleu ciel, appelez ça comme vous voulez. Franchement il est super stylé, hop. Je l'ai aussi acheté à Zeman celui-là, je l'ai aussi acheté à Zeman. Franchement, il est bien élastique, c'est bien cool. C'est un mec de la marque. Si jamais là, c'est ça la marque originale. Supli Echo. Voilà, c'est ça. Comme ça. Voilà. Ça, il y a aussi ce short-là que j'ai déjà aussi. Vous m'avez déjà forcément vu avec ce short-là sur ma chaîne YouTube. J'ai au moins mis des centaines, voire même des milliards de fois. Parce que ce short-là, simplement, je l'aime bien. Parce que c'est comme le premier short que je vous ai montré, là, le petit short que je vous ai montré. On est d'ailleurs où, bah celui-là, voilà, bah, c'est exactement la même matière. En fait, ces deux shorts, c'est exactement la même matière, sauf que lui, il est un peu plus long. Voilà, et lui, il est noir, tout simplement, voilà. Voilà. Et lui, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus long. Ça fait qu'en fait, bah, quand je le mets, voilà, ben, il descend au moins, voilà, jusqu'ici. Il descend au moins jusqu'ici. C'est une matière, voilà, c'est une matière qui est assez fine, en gros, pour l'été, c'est parfait. Et surtout, ce qui est bien, et surtout, voilà, les petits postes, ce qui est bien, c'est en fait, comme c'est une matière, voilà, qui est assez léger, que c'est une matière à tissu et tout, bah, quand on transpire, il nous colle pas à la jambe. C'est ça qui est cool, parce que quand on met des shorts de cette matière-là, un peu, voilà, genre de, j'appelle ça matière papier, moi, parce que ça fait le même bruit que du papier, en fait, quand tu transpires, voilà, le short, il est tout comme ça, tout collé. Oui, certes, ça fait peut-être ressortir tes gros quadriceps, mais surtout, le soir, pour toi, l'enlever quand tu veux te laver, ou même le matin, il est collé, t'arrives pas à le décoller, quoi. Tout simplement, voilà. Alors un petit short, voilà, un petit short original, hein, comme tous les autres, voilà, assez bien, je vais déjà montrer ça. Hop, mes débardeurs, c'est maintenant qu'on va commencer un petit peu à passer au débardeur et tout, hop, petit débardeur, je l'ai aussi acheté à Zeman, j'ai bugué, voilà, celui-là, c'est pareil, ce débardeur-là, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, parce qu'il y a, voilà, au niveau de là, il y a assez large, ça fait que quand je m'allonge sur le banc, que je fais mes exercices pour les pecs, là, voilà, on voit juste mes pecs qui ressortent, voilà, on voit bien les épaules ressortir, vraiment, il est vraiment super stylé, le petit motif un petit peu guerre militaire, comme ça, j'aime vraiment bien, voilà, comme je vous l'ai montré aussi, j'ai ce petit short-là, qui est super stylé aussi, voilà. Comme ça, hein, vous voyez, j'ai le flow. J'ai peut-être pas beaucoup d'habits de marque, mais j'ai quand même un bon petit flow. Il y a ce débardeur-là que j'ai déjà mis sur ma chaîne, comme ça. Il est comme ça, avec des fines bretelles pour que les épaules y ressortent vraiment bien. Voilà. Il y en a encore. Ah non, ah si. Encore un débardeur, sauf que là, la différence qu'il y a entre lui et lui, c'est comme vous pouvez voir, les bretelles des débardeurs ne sont. Elle est 10 fois plus large. Que elle, ça fait que quand je mets en fait le débardeur là, en fait ça recouvre tout mon épaule. En fait on voit bah le haut du bras, l'avant-bras et tout. En fait l'épaule il est recouverte, l'épaule elle est recouverte. Ça fait qu'en fait on voit pas. Ben quand je fais des entraînements pour ma chaîne, on voit pas la congestion. Et quand je dors, on voit pas mes grosses épaules. Et ça me saoule parce que maintenant que j'ai des grosses épaules, je le montre à tout le monde. Voilà. Moi j'en ai encore un autre, comme ça c'est pareil, c'est aussi ce problème là, c'est un débardeur qui est super stylé, fait exprès pour le sport. En plus il est marqué juste ici, sport training PRG là, non pas PSG, PRG, voilà.
Parce que PSG, pro sur gazon, Paris Saint-Germain, partir sans gagner, vous voyez, j'en ai plein. Tandis que là, c'est PRG. Comme ça, un beau petit débardeur fait exprès pour le sport. Toujours en matière tissu. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment la lessive. Je vous promets, ils sont ah, super bons. Je pourrais dormir avec tellement qu'ils sont bons. Voilà. Acheter à Decathlon, Dominos. Voilà, fait exprès pour le sport, comme je vous ai dit. Par contre, ce qui est chiant, c'est des. Attends, vous, déjà, on voit déjà rien que avec mon débardeur là et ce débardeur là, on voit qu'il y a une grande différence. Regardez les petits potes. Quand de la bretelle. Et quand en fait je mets ce débardeur là, voilà, et ben en fait c'est exactement pareil pour avec lui, en fait, avec lui, c'est exactement pareil avec lui et avec lui. Et ben en fait, comme voilà, la grandeur voilà de la bretelle, elle est grosse en fait, bah ça couvre tout mon épaule. Ça fait, en fait on voit sous cette partie-là, mais en fait l'épaule elle est recouverte, ça fait qu'on voit pas mes grosses épaules et c'est chiant parce que voilà quand on fait de la muscu et qu'on commence un petit peu à, qu'on commence soit à attraper un peu de bras ou que voilà on a déjà des grosses épaules, mais que voilà on fait de l'entraînement, que voilà on a des épaules qui font des noix de coco parce qu'on vient de s'entraîner ou quoi, ok, si on a envie de les montrer aux gens quoi, on a envie de montrer notre évolution simplement. Alors voilà. Encore à peu près le même débardeur, sauf que ben. Sauf que voilà, lui, il me semble qu'il vient. Je l'ai mis à l'envers. Ah, je vous jure, depuis tout à l'heure, je parle, je me concentre même pas. Voilà. Hop. Lui, c'est un XL, c'est ça la marque. C'est ça la marque, comme ça. Avec des petits trous pour qu'on transpire. Voilà, comme je vous ai dit. Assez stylé. Bien rouge, comme ça. C'est parfait. Encore un autre débardeur que j'ai acheté aussi à Zeman. Hop, un noir fine bretelle pour qu'on voit bien les grosses épaules noires comme ça. Il était lavé il n'y a pas longtemps, mais ils sont tellement bons. Je vous promets, mon linge, ils sont tellement bons, c'est incroyable. Là, comme ça. Voilà. Après, il y a ce pull-là aussi que j'aime vraiment bien mettre avec un jean parce que il passe super bien avec un jean. Voilà, il est un peu grand, il est un peu plus grand que les autres, mais il passe super bien avec un jean. Franchement, cette couleur-là, avec un beau petit jean, soit gris, soit noir, avec une belle paire d'Air Force ou une belle paire d'Adidas, blanche, noire ou coquette. Franchement, une petite paire TN, ça passe super crème. Voilà, comme ça. Ou même avec une paire de ici, comme ça, là, comme j'ai à mes pieds. Franchement, c'est. Ça passe crème. Comme ça, voilà. Ça. Après, j'ai aussi ce grand coupe-vent, en fait. Aussi, encore un truc de rugby, je sais pas si vous connaissez ça, je sais pas voilà, si vous connaissez cette équipe, mais c'est aussi un truc de rugby, voilà un coupe-vent que j'avais mis, je me souviens pour ma vidéo ASMR, rappelez-vous si vous l'avez pas vue, bah allez la voir, hein. Voilà, là il y a une capuche, et ce qui est bien en fait, c'est que la capuche, voilà, on fait ça, simplement, on enlève le scratch, on enlève les scratchs qui est là, les scratchs qui sont là, en fait, on enlève la capuche, et au moins s'il pleut, nous sommes protégés. Voilà, il est comme ça, de derrière, il est comme ça, et il est comme ça, voilà. Voilà. Hop! Un survêt, toujours le même que la dernière fois que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai acheté, voilà, je l'ai acheté à Zeman. C'est toujours, voilà, c'est exactement le même. Je l'ai acheté aussi à Zeman, il est juste à l'envers, hein, voilà. Il est juste à l'envers, sinon, c'est comme je vous ai dit, c'est exactement le même. Ils sont bons, je vous ai dit, il a été lavé il n'y a pas longtemps. Ils sont super bons, franchement, c'est cool d'avoir des habits qui sont aussi bons comme ça. Voilà, ils passent crème, ils passent bien comme ça. Et le petit pull 1843. Comme ça, voilà, il est assez beau comme ça. Par contre, lui, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. En gros, si vous voyez quelques petits trous, ben c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, c'est juste parce qu'il a fait la guerre aussi, celui-là. Voilà. Et sur, voilà, c'était tout pour mes habits. Mais sur les petits potes, j'ai pas que ça. J'ai encore d'autres maillots qui sont en train de sécher. Mon pull Kappa qui est aussi celui qui avec le survêt aussi, il est aussi en train de sécher et tout. Voilà, sauf que je voulais pas montrer parce que tout simplement, vous les avez déjà vus, déjà de une et de deux, mais ils sont en train de sécher. Alors ben. Je vous le remontrerai une prochaine fois parce que tout simplement, vous inquiétez pas les petits potes parce que il y aura un prochain épisode, pas tout de suite parce que voilà, ça va pas se faire tout de suite, mais j'ai prévu de faire un autre épisode parce que tout simplement en fait pour mon anniversaire donc qui est le 7 mai, j'aurai 15 ans, voilà. Voilà, hein, j'aurai 15 ans le 7 mai, et ben j'ai prévu d'aller me rhabiller mais acheter plein d'habits de marque. Pas trop cher, mais des habits de marque. En gros, ben, je vous ferai l'épisode 2 dès lors où j'aurai mes nouveaux habits de marque, tout simplement, voilà. Là, bien sûr, les petits potes, vous inquiétez pas, c'est pas fini, vous allez venir avec moi, je vous montre un petit peu ma décoration. Voilà, vous allez voir un petit peu la déco de Zirko, la déco du BG, vous êtes prêts? 3, 2, 1, rappelez-vous comment c'était la dernière fois, et regardez maintenant. Ça, si jamais, c'est mes anciennes TN, voilà, mais comme ils sont craqués, il y a un vieux trou tout pourri dans une de mes TN et tout. Là, je les mets plus, parce que voilà, je suis pas un clochard, je mets pas des chaussures craquées, quoi, tout simplement, voilà. Voilà. Voilà, ça c'est des anciennes TN à ma mère. Voilà, il y a toutes mes canettes de Monster. Là, il y a juste mes enceintes qui font de la musique.
Ça, c'est ma petite déco, vraiment, là, avec ma petite tortue, avec carapuce. Voilà. Là, il y a quoi d'autre encore là? Voilà, il y a encore. Là, il y a aussi encore mon autre petite déco, avec mes casquettes, mes coques de téléphone, ça, un petit. La toile, ma veste, mes casquettes, voilà, tous les trucs comme ça. Voilà. Là, il y a tous mes dessins. Là, il y a mes petits trucs de muscu, j'allais dire, il y a ma petite machine, mais il n'y a pas que ça. Là, il y a mes haltères, voilà, bien rangés, mes trucs de muscu et tout. C'est parfait. C'est parfait. La petite boîte d'iPhone qui me sert aussi en décor, hein, comme ça, tout simplement. Voilà, là, il y a aussi, voilà, mes dessins à Dragon Ball Z, Caris, Air Max là-bas. Là, il y a encore mes dessins, des cadres, des photos, hein, voilà. J'ai même mes petits potes, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, une photo de Pascal Sauten, je sais pas si vous connaissez, de SOS Ma Famille a besoin d'aide, voilà. Et les photos que vous avez vues, c'était de mes frères et sœurs, hein. Tout simplement, voilà les petits potes. Et après, voilà, ça c'est mon ancien lit, voilà, faites pas attention au bordel qu'il y a dessus, voilà, ça c'est le lit sur lequel je dors actuellement, en fait, un clic-clac qui peut faire lit double, il est vraiment trop bien, mes fenêtres, hein, voilà, les fenêtres, mon armoire avec mon miroir, tout simplement, voilà, mon petit meuble sur lequel j'étais assis, et sur lequel, quand je me faisais chier, je me suis amusé, voilà, à taguer Tibonchei, Bazinga, Seth Gecko, Barlou, RK, tous les trucs comme ça, voilà, Alex Levent et tout, voilà. Et là, il y a mon petit tapis de fitness. Voilà, vous connaissez quoi? Vous connaissez une belle petite chambre d'adolescent. Assez propre. Voilà. Bon, bah, les petits potes, sur ce, on se capte la prochaine fois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que cette vidéo, voilà, bah, vous aura plu. Et tout, oui, je sais que je viens de répéter deux fois les mêmes choses, mais c'est parce que j'aimerais vraiment bien que cette vidéo vous plaise. Parce que voilà, c'est pas du tout le style de vidéo que je fais d'habitude. D'habitude, je suis plutôt quoi? D'habitude, je fais plutôt des vidéos quoi? Des vidéos entraînement, analyse ou réaction. Là, j'ai vraiment voulu faire une vidéo où je vous montre un petit peu, ah, voilà, un petit peu ma chambre, mes vêtements et tout, voilà. Voilà. Ah oui, et pour les tenues préférées, ma tenue préférée, c'est mon pull et mon survêt de capot parce qu'il me va super bien, ça me fait un flow de malade. Et la tenue que je déteste un petit peu le moins, ah, pas que je déteste, mais celle que je mettrais un peu le moins, c'est tout ce qui est short en jean. Ça, on oublie, moi, je suis plutôt le mec, voilà, qui est comme là, voilà, basket, short et débardeur pour le sport. C'est parfait. Pour ressortir.